Bonjour à toutes et à tous, Matthew Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de rap français, de Naps, avec son featuring incroyable avec Gazo et Nino. 3 euh, rappeurs français au top hein. Et euh, le titre s'intitule C'est carré le S CKLES, un titre qui a très bien marché dès euh, la sortie de l'album de Naps Le dernier album qui s'intitule En temps réel Et donc Naps a décidé de sortir le clip sur sa chaîne officielle avec 3,5 millions d'abonnés Donc euh, j'ai l'impression quand même que ça sent le son de l'été Personnellement pour faire des soirées et tout ça Ce son là est incontournable en 2023 euh, Franchement c'est vraiment une grosse frappe On retrouve 3 rappeurs qui marchent très bien Et sur une instruite très dansante type Club ça fait vraiment Quelque chose qui fonctionne, alors le clip a été très très travaillé. Il y a un hélicoptère pour tourner le clip, il y a certainement eu un château de louer. Le making-of est disponible sur la chaîne YouTube de Naps, donc on peut mieux comprendre comment le clip a été construit. Instruit très dansante, ça, ça valait donc un clip assez rythmé. Donc on a un hélicoptère, on a plein de prises de vue différentes. On a Gazo, Naps et Nino dans le clip, les trois rappeurs qui sont concernés par ce featuring. Et franchement, on a un clip très très, très travaillé euh, et euh, il y a plein de décors différents il y a plein de couleurs et même la fin est travaillée avec euh, un style un peu médiéval moyen âge pour euh, dire un peu qui sont les stylistes les stagiaires maquilleuses nanani nanana franchement c'est un clip travaillé dans le moindre détail 3 minutes 26 de bonheur donc n'hésitez pas à aller checker et me dire ce que vous en pensez. Ça mérite amplement le like, franchement un son très très lourd. Euh, Naps il sait faire la recette d'un tube. Et là franchement pour CKRLES c'est un des gros gros titres de son dernier album qui s'intitule donc en temps réel. On va regarder un petit peu euh, ce qu'il en est de cet album là au niveau des streamings. Mais franchement Naps frappe fort, c'est son premier album de 2023. Des fois il est un peu comme le J, comme Jul il fait pas mal de, de sorties. Euh, en 2021, il y avait eu deux albums, 2022, 1 Il a pris euh, un rythme de faire au moins un. Un album par an et donc euh, en temps réel avec c'est euh, car s c'est vraiment le gros titre à 10 millions de vues déjà enfin 10 millions de lectures purple avec gambi est pas mal aussi la danse du roro cobalade Maes c'est un en fait c'est des triplés de de featuring incroyable hein. naps gazonigno ça marche très bien naps cobalade Maes ça marche très bien également et c'est les titres qui ressortent de l'album un album qui est bien streamé mais c'est pas des chiffres fous non plus par exemple jules fait de beaucoup plus gros chiffres pour la sortie d'un album, mais on a bien compris, voilà, il y avait quelques titres qui ressortaient, C'est carré le S, Mabeleux, Purple, parce qu'il était sorti un peu avant, donc ça triche un peu, Le Fruit de mon époque, La Danse du Roro, franchement, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais le clip de La Danse du Roro, on le veut, avec Koba, Maes et Naps, ça donne envie, et franchement, c'est un titre très lourd, et qui ressemble un peu à C'est carré le S, en mode très dense, et boîte de nuit, et tube de l'été, quoi. Et donc, euh, on va checker deux trois trucs. Voilà, le fouet de mon époque, c'était un des clips qui était sorti pour l'album. Et euh, Naps gambi Purple, voilà, il y a 3 clips qui ont été sortis pour cet album là. C'est vrai que le featuring Gazo, euh, enfin pas Gazo, mais euh, Maes, Koba et Naps, on voudrait vraiment le voir en, en clip. Ça pourrait être une, une masterclass. Alors, j'ai vu que le Making of était sorti, mais euh, il est peut-être pas sorti sur la chaîne de Naps. En tout cas, il est sorti hein, pour euh, le s qui a toujours pas fait un million de, de vues ce clip là, mais normalement il, il est dans les tendances et tout. Et ça Devrait exploser sur la chaîne de, de Naps. Euh, franch, franchement, je pense que ça va dépasser. Vamos. Hein. Euh, Naps Gazo, ça collabore beaucoup. Au final, je viens de me rendre compte de ça, mais euh, c'est deux artistes qui, euh, qui s'apprécient bien. J'ai l'impression. En tout cas, les deux voix se marient très bien. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, à vous abonner, activer la cloche. On se retrouve pour plein d'autres vidéos ra réactions rap français. Et oui, hein, ce titre-là, c'est Carles et hashtag 3 des tendances. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt.